Salut à tous, c'est la ZF et on se retrouve pour le petit top 10 du mois de juin. Donc avec quelques jours de retard, comme d'habitude, on ne change pas une équipe qui gagne. Et aujourd'hui, grande nouvelle, je suis avec Yoda pour le commentary. Comment vas-tu mon cher Yoda ? Ouais, salut à tous. Bah moi, franchement, ça va impeccablement bien. Donc il fait très beau, très chaud. On prend un peu des couleurs, on profite un peu du beau temps. Franchement, je vous conseille à tous de faire de même, ça fait vraiment du bien. Et voilà, donc ça fait plaisir de se retrouver pour ce petit top 10 du mois de juin. On va essayer vraiment d'en ressortir un autre mois de juillet, un autre mois d'août, comme on sait qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont en vacances. Et voilà, ça vous fera des petites vidéos à regarder, comme ça vous fera plaisir. Et voilà. Ah, c'est vrai que l'arrivée de l'été, ça met de bonne humeur. Et donc, on commence ce top 10 avec une intro sur un clip de Adam89 Arsenal qui a fait vraiment de super belles esquives dans ce clip. Mais comme il était un peu long, on ne savait pas trop où le caser parce qu'en fait, il fait des esquives tout le long du clip. C'est un petit montage, j'ai l'impression. Donc voilà, c'était plutôt sympa. Et c'est vrai qu'il fait du bon boulot. C'est un très bon joueur, Adam. D'ailleurs, ça me surprend qu'il soit toujours en zombie. Il y a des gens qui jouent en zombie depuis longtemps. Il en fait partie. Donc voilà, on va pouvoir commencer ce petit top 10. Allez, c'est parti. Donc à la 10e position, on va se retrouver avec un clip de Sowafake, excusez-moi si je prononce mal ton pseudo. Donc ils sont sur Nocturne à 2, donc je sais pas trop s'ils sont en no power ou si les atouts sont pas tombés, j'en sais rien. Et donc ils se retrouvent avec la MP5 et la M14, il est dans le grand jardin en train de tourner. Vous savez tous, dans Nocturne, c'est pas évident de tourner sans mastodonte, sachant qu'on voit pas vraiment bien les zombies arriver par rapport à la couleur du décor. Et là, hop, il se fait bloquer, petit coup de joystick à droite, il passe entre deux zombies. Très beau réflexe de ta part, franchement, magnifique esquive. Enfin, vraiment, il est content, il donne un petit coup de couteau. Bien joué de ta part. Bien joué à toi. À la 9e position, on retrouve une très belle esquive de l'Insomniac. Il est dans Ferme en solo, manche 38. Et là, regardez, il va se bloquer dans le coin. Il nous a mis un petit ralenti parce que c'est vraiment. Il a eu un sublime réflexe. Je rappelle qu'il est manche 38, donc il faut l'avoir ce réflexe. Il part et là, il se fait bloquer par les zombies dans le petit coin. Et là, il a ce très beau réflexe de faire demi-tour et de repartir dans la maison à droite, là où il y a encore des zombies qui l'attendent. Mais non, il a très bien esquivé le tas de zombies et ils sont en feu, mais il n'a pas pris un seul dégât. Donc c'est vraiment bien joué à lui. Il a réussi à s'en sortir. Et à la 8e position, on se retrouve avec Dags Shotgun, pardon, il est sur, en lutte sur ville, pardon. Et il passe entre deux zombies, il est rouge, il reprend une claque. Putain, il tombe pas, bien joué de sa part. Un bien beau réflexe qui a permis de rester debout tout simplement. À la 7e position, on retrouve Stormorax, donc un joueur que je ne connais pas sur Diriz. Il va nous faire quelque chose d'assez sympa, regardez. Il va ouvrir la porte et se retrouver bloqué là. Il va être obligé finalement de paquer tous les zombies dans le tout petit racoin. Et il va y arriver merveilleusement bien. Regardez, il nous a mis un petit ralenti. Donc on le voit partir à droite et là, il y a toute la vague de zombies qui arrive derrière lui. Il a la chance qu'il n'y a aucun zombie qui tombe du toit. Je sais que ça arrive de temps en temps. Donc là, il va paquer toute sa vague tranquillement, sans pression. Et il fait ça vraiment super bien. Bien joué à toi, très très belle. Les esquives de beau demi-tour et tu vas pouvoir voilà, repartir tranquillement et éviter le dernier zombie, le petit retardataire. Ça passe crème, bien joué à toi. Et à la 6e position, on se retrouve sur Barred avec RZPKOS. Attention, c'est maintenant, il change d'arme, il est coincé, le petit 180, il repasse dans la grange. Franchement, un endroit très serré, il est là avec toute la vague de zombies. Un bien beau réflexe qui va lui sauver sa partie. Bravo, de très très beaux réflexes. À la 5e position, on se retrouve avec ta mère. Donc il est sur Origins, il se fait attraper par le Panzer et là il va partir dans les couloirs. Et regardez tout ce qu'il esquive dans les couloirs, c'est un fou. Il fait vraiment des esquives de malade, il saute, il fait des petits coups de tchiké bam bam sur le côté pour s'en sortir. Vraiment, il a vraiment fait une très très belle esquive. Bien joué à toi. Et à la 4e position, on se retrouve avec Spicy, donc ils sont dans First Room, dans Mob of the Dead à 3. Hop, vous voyez, ces deux collections morts, hop, il esquive. Ah pardon, c'est en lutte, je suis perdu. Il esquive, c'est pas grave, il esquive quand même. Hop, il fait demi-tour, hop, il reprend une claque, il repasse contre deux zombies. Bien joué, franchement, c'était la folie dans cette First Room là. Ah, ça a été très rapide. À la 3e position, il esquive de Vix Gamer, que j'ai déjà mis dans une présentation des précédents top 10, je ne sais pas si ça vous parle. Il est sur 5, il va nous faire vraiment du superbe boulot, regardez ce qu'il nous fait. Donc là, il est dans le début des manches, il est en First Room, c'est pas facile, il n'y a pas Master. Regardez, oh là là, c'est magnifique, il fait des petits sauts pour éviter tous les zombies. Savoir que là, il n'y a pas Masto, il n'a pas le droit à l'erreur. Vraiment, très beau boulot. Bien joué de ta part. Et à la 2e position, on se retrouve avec Seindon. Seindon. Voilà, donc ils sont sur en lutte, sur ferme. Hop, son ennemi se bloque là. Il saute, il passe entre deux zombies, il prend une calotte et il s'en sort. Putain, mais bien joué de ta part. Magnifique. Très, très beau. Magnifique. Et la première position, elle revient à Dim Zombie. Et oui, encore Dim Zombie sur ferme, encore, bien évidemment. Même type d'esquive. Regardez, c'est magnifique ce qu'il a fait. C'est vrai que les deux esquives, elles se rejoignent assez. Et je trouve que ces esquives dans le petit coin sont vraiment sublimes. Le fait de faire ce demi-tour, sachant qu'il y a l'ennemi, qui lui tire dessus. Je sais pas si vous avez vu, mais il arrive à faire ce
ce demi-tour à repartir et là il esquive la masse de zombies. Vraiment c'est très très beau, c'est magnifique, bien joué de ta part, ça mérite amplement cette première place. Et bien joué à tous les autres, tous ceux qui ont participé. Et voilà, c'est la fin de ce top 10. Ah franchement, du lourd, moi je l'ai bien kiffé ce top 10, ça a bien fait plaisir de regarder toutes ces belles esquives. Encore merci à vous pour vos participations, on reçoit beaucoup beaucoup de clips et ça fait toujours chaud au cœur de voir que vous êtes toujours attentifs à notre top 10. Voilà, donc continuez de nous envoyer vos esquives par message privé YouTube ou sur PS3. Et nous, on vous fait de très très gros bisous et on vous dit à très bientôt. Gros bisous à tous et profitez bien des vacances à fond. Allez, ciao.